Coucou, bienvenue dans mon kangou. Alors là, c'est la dernière vidéo que je vous fais concernant le kangou. Parce que après, on va passer un petit peu au tutoriel sur le meuble en carton. Je vous montrerai plein d'astuces pour gagner du temps quand vous fabriquez des meubles en carton. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer l'arrière de mon kangou. Donc en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est optimiser évidemment. Tu as vraiment un chat qui se promène là. Donc là, en fait, ce que j'ai voulu, vraiment optimiser la place. Alors, ça, normalement, si vous suivez les vidéos, en fait, vous savez que de l'autre côté, en fait, il y a du rangement. Là, j'ai ma couchette. Donc, il y a aussi plein de rangement autour de la couchette. Et, évidemment, un centimètre, c'est un centimètre. Hein, dans un kangou, il faut optimiser un maximum la place. Et en fait, ici, en fait, ce que j'ai réfléchi, parce qu'en fait, moi, par exemple, je suis au Luxembourg, et en fait, il fallait vraiment que les jerrycans, ils font 33 cm de hauteur. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait la place pile poil pour pouvoir ranger deux jerrycans pour aller chercher l'essence au Luxembourg. Et en même temps que je puisse ranger, en fait, j'ai trouvé des cagettes qui sont vraiment pile poil à la taille de... Des petits rangements comme ça voilà, je suis tranquille. Je reviens des courses, en fait, ce que je fais, parce que là on est en pleine canicule, en fait. Ce que je fais, je mets mes courses et je les couvre avec ce poncho en laine, et puis quand c'est la nuit, j'enlève tout, je laisse bien rafraîchir mes aliments. Ça m'évite d'avoir besoin d'un frigo. J'utilise tout simplement la fraîcheur qui vient du sol. Et ça, c'est quand je suis en vacances. Mais sinon, quand c'est la journée, je couvre bien toujours mes aliments avec la laine. Et ça permet de bien isoler et de tout garder au frais, quoi. Voilà. Ça, c'était vraiment la dernière vidéo de mon kangou. Je vous refais un petit tour d'ensemble pour que vous voyez bien. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous voulez en savoir plus. Moi, je vous dis à demain pour un tutoriel sur le meuble en carton. À demain, bye bye!